qui a dit un jour que les paroles s'envolent et que les écrits restent, et qui dira que cette histoire ne fut qu'une parabole de deux poètes à la plume trop leste. Des montagnes de l'Est, elles traversent les rivières du Grand Ouest, puis serpentent et s'entêtent jusqu'à se fondre dans l'asphalte. C'est l'histoire d'un récit qui traverse le monde comme tu tournes les pages de ton atlas. On m'a dit qu'il était conté par un mec très vieux, je parle pas du père Fouras, mais d'un ancien respecté à la voix aussi profonde que les rides de son visage. Je te parle de son récit qui pendant des décennies a traversé plus d'un paysage. C'est l'histoire d'un tour du monde, d'une course autour de la planisphère. Un moment hors de l'espace-temps où les secondes se comptent en millénaires. Ce n'est pas un conte mais un poème, mi-phénomène paranormal, mi-parole libre qui se promène, forcément ça se passe à l'oral. C'est l'histoire d'un voyage fantastique auquel ont participé plus d'un élément, qui lors d'une existence classique ne se croise pas forcément. Ce voyage un peu magique comme tout le monde, tu en as entendu parler. Moi je l'ai connu un soir de pleine lune, devant un grand ciel étoilé. Parole du bout du monde. Parole du bout du monde. Moi je crois bien que c'est le vent qui est venu me la souffler. Et ça m'a fait l'effet d'un sédatif, car à vrai dire, ça m'a troublé. Cette histoire, je donnerais tout pour connaître son origine exacte. C'est quoi, Ruda? On va remonter à sa source, chacun de son côté. Tel est notre pacte. Ok, grand corps malade, je te souhaite une balade planétaire. Je te laisse donner le top départ et puis le choix dans l'hémisphère. Tu devras fouiller dans 2 continents, moi 3. S'il faut, on se retrouve dans 10 ans. Mais comme j'ai plus de terre que toi, tu te taperas aussi le fond des océans. Bon voyage. Que le meilleur gagne. J'ai commencé à observer les territoires les plus classiques, le tableau noir des facultés au discours très académique. J'ai entendu les cris d'une parole qui s'endort dans des débats soporifiques, des conférences, des galeries d'art et même des visites guidées au cœur des quartiers historiques. J'ai commencé ma quête en questionnant mon voisin de palier. Il est tellement vieux qu'à un bout de cette histoire, il est forcément lié. Il m'a conseillé d'aller enquêter dans un petit village montagnard, mais les gens que j'ai vus là-bas avaient étrangement perdu la mémoire. Sur mon itinéraire, j'avais noté quelques antiquaires. Je n'y ai trouvé que des mots en vieux français et des paroles pleines de poussière. J'ai rencontré 2-3 coiffeurs et leurs récits légendaires. À la racine, j'ai tout compris de la théorie de la pesanteur. J'ai donc pris de la hauteur, j'ai fait pas mal d'allers-retours. J'ai été rapide ou plein de lenteur, mais la durée de mon parcours s'étale sur le Maghreb et ses compteurs jusqu'aux tavernes de Singapour, des tribus nomades d'orateurs au temple de Kuala Lumpur. J'ai vu des mots d'absence, des mots laissés sur une porte et même des mots d'amour. J'ai parfois pris le mauvais sens et puis j'ai fait la connaissance des nouveaux troubadours. J'ai compris que ce que je cherchais avait quelque chose de secret et que cette histoire était fragile comme un mot écrit à la craie. Je scrutais la nuit dans des ruelles sombres aux odeurs de pisse quand un vieux clochard savant me lança enfin sur une bonne piste. Il m'a dit d'aller interroger un scientifique, j'étais d'accord. Mais celui-ci m'a rien appris, j'ai juste révisé le théorème de Pythagore. Alors je suis allé voir les plus grands philosophes du continent, mais ils m'ont saoulé. Je préférais encore mon vieux voisin à un continent. J'ai rencontré des tas de personnes de Reykjavik à Pékin, des groupes de jeunes rappeurs aux vieux griots africains, mais en vain. Et toi? Rien. J'ai vu des mots tendres, j'ai vu des mots d'excuses, j'ai vu des gros mots. J'ai vu des mots à prendre, des mots qui accusent et même des mots en trop. J'ai vu des mots passants, j'ai vu des mots vexants, j'ai vu des mots tranchants comme un pieu. J'ai vu des mots qui mobilisent, des mots sans mobile et même des mots creux. J'ai vu des mots au Ahmed. J'ai vu des mots au reset. J'ai surtout vu que j'avais fait ce voyage pour rien. J'ai vu de mauvais mots. J'ai vu de bons moments. Et que finalement la source n'était pas si loin. Cette histoire, c'est la tienne, c'est la mienne, elle est bien réelle. C'est l'histoire du langage universel, faite qu'elle soit éternelle. Je sais pas pour toi, grand corps malade, mais notre fin de texte me semble un peu trop solennel. C'est vrai, Ruda, mais l'important, c'est peut-être juste qu'elle soit belle. Ça leur paraîtra peut-être bête, encore plus con que deux poètes. Mais j'ai encore envie de le dire, que vive la parole libre. En tout cas, ce qui est net, c'est que cette histoire vit dans toutes nos têtes. Et qu'on continuera à la vivre. Jusqu'aux toutes dernières pages de notre propre livre. Bon voyage. Que le meilleur gagne.